Bonsoir et bienvenue sur des trucs de gaming, c'est Obi White et bienvenue sur Backbone. Oh mais c'est le retour de Spanky Porc et bienvenue à Rory également comme d'habitude, bienvenue à vous. Ça commence, tu viens, tu vois, c'est le bazar, y a rien qui va. Bon, bienvenue ce soir sur Backbone offert dans le Game Pass, enfin offert, dans le Game Pass PC. Dans le Game Pass PC, je m'en suis rendu compte, juste avant de streamer en fait, dans ma tête j'ai fait, attendez, c'était pas sur Xbox, excusez-moi. Et bonsoir Edgestock, bienvenue à toi, installez-vous. Donc ce soir on fait quoi? On découvre Backbone qui est un petit jeu qui est un petit jeu d'enquête pixelisé, un petit peu ambiance polar noir. On va tout de suite passer sur le jeu. Merci à vous d'être là en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ça va être un peu spécial ce soir car le jeu est tout en VO, aucune traduction pour le moment, c'est fait pour la fin d'année. Mais j'étais ultra impatient de tester ce jeu, donc on va tout de suite lancer ça. Alors test, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son du jeu est ok? Spanky n'en peut plus. Le retour de Spanky Power et il n'en peut plus. J'espère que tu vas bien. Donc ce soir c'est calme, hein, c'est chill, attention. Alors là vous êtes sur le menu évidemment. Donc moi juste sur le si le jeu est bon. Niveau son, si on entendait juste le son du menu là. Le petit clac. Si on entend ma voix, si le jeu est pas trop fort, bah, vous me dites au fur et à mesure, on va direct lancer. On va direct lancer ça, on va voir ce qui se passe. Je ne connais absolument rien de l'histoire, je voulais tout découvrir en direct live. Et évidemment, tout est en VO. Et je suis beaucoup trop gros, tiens. Ah, vous savez quoi, je voulais tester un truc ce soir. On va tester ça pour celui-là. Pouf, parce qu'on est comme ça. On est des gueudins. Allez. On va se mettre en immersion totale et vous serez avec Jean-Michel Traduction ce soir, évidemment. Bon, j'ai juste assez de temps pour nettoyer. Oh, ça me fait très bizarre. Là, du coup, il faut que je joue avec le PC. Attention, c'est improbable. Le truc improbable, le gars est complètement perdu. Donc, on a juste des touches pour bouger à droite, à gauche, évidemment. Interagir avec les objets. Jusque-là, ça va. Ça n'a pas besoin d'être un PGM. Et après, on peut accéder au menu du détective. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas l'air d'avoir de musique dans le jeu. Je ne sais pas si c'est normal. Moi, j'ai pas de son. Ah! Mais c'est normal apparemment. J'ai peut-être augmenté le son du jeu du coup s'il y a gavé pas de... Fraude à l'assurance, voiture volée. On entend ses pas, non? Ouais, on entend ses pas. Il devrait peut-être faire un peu le tri en gros dans son... dans tous ses dossiers là. On a la carte du jeu et donc on va voir sur quelle affaire on est. Apparemment, c'est quelqu'un qu'il a envie de revoir, visiblement. Pour l'instant, vraiment, c'est très soft. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Gnagnagna. Ah, il raconte, en fait, les différents endroits qu'il y a dans la ville, quoi. Genre là, c'est pas mal, c'est un peu fancy, c'est-à-dire que c'est classe, mais c'est très très cher. C'est pas mal pour un rendez-vous. Ça fait longtemps qu'il a pas mis les pieds. On a les docks, évidemment, où ça sent le poiscaille. C'est chelou qu'ils aient pas mis de musique, du coup. Eh, hey, bonsoir, Sakiminora, comment vas-tu? Bienvenue. Est-ce que... Ouais, le jeu est bien centré. Ok, c'est tout bon, c'est tout bon. On teste ce soir le stream sur PC. Dans une ambiance très très calme, je l'avoue. Il va falloir que je rajoute bientôt des petites nappes de son, parce que je pensais que le jeu allait être plein de petites musiques un peu noires, très cool, et là, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Par exemple, Gaston, c'est l'endroit rêvé si vous êtes un petit bourgeois snobinard qui aime la salade hors de prix. Après, c'est propre. Pas mal. Et là, évidemment, on a une photo de ses parents. Ok. Alors, écoutez, on va rentrer direct dans les joyeusetés. Là, il y a son projet pour le diplôme, etc. Ok, très bien. C'est comme ça que tu as dit que tu fais le ménage, mec. Ça va être très calme ce soir. La réflexion pure. No musique. Ouais, mais c'est un peu tristoun sans musique. C'est un peu tristoun. En plus, il y a Spanky qui revient ce soir. Tout ça pour voir un truc où ça tire pas dans tous les sens. Attention, tu vas être déçu, mon ami. Ah, alors là, si un petit remontant. Ah, je mets des alertes son pour ça. Une abysse sauvage apparaît. Moi aussi, je peux le faire. Bonsoir, abysse. Merci de passer. J'espère que tu vas bien. Alors, je peux attraper des objets. Ah, elle est déplacée. Donc, ça y est, on peut ranger notre bureau. Mais c'est magnifique. Alors, on a visiblement un reste de gruau tout séché, dégueulasse. On va l'enlever.
je peux bouger d'autres trucs? Non. Mais à quoi ça sert? C'est juste ça? Enfin, juste que tu nettoies ta bouffe, mec? Je me suis fait subgift par hasard. Alors, si tu vois des emotes étranges, c'est normal. Canon? C'est quoi? C'est un drac au feu? Un salamèche? Fraude à l'assurance, etc. Bon, en gros, il a pas grand-chose, hein. Il a ses clopes, évidemment. Living room. On va aller peut-être dans la salle à manger. On peut aller de l'autre côté aussi ou pas? Ah, pas du tout. Donc, on va y aller. Tranquillement. Bienvenue en tout cas, du coup, ce soir, on fait Backbone. Normalement, le titre est bon cette fois. Jeu d'enquête qui, normalement, aura un peu plus de son. Parce que là, c'est quand même triste. Salamèche qui a bien mangé. Ouais, c'est un gros salamèche. Hein. Voilà, faudrait qu'il aille demander à Francky de réparer sa télé quand il aura un peu de thune. Et visiblement, non. Le mec, c'est un peu un Colombo fauché en raton laveur, en fait. Il est sorti tout récemment, genre le mois dernier, de mémoire. Il est sorti le mois dernier, du coup, il n'y a pas encore de traduction, donc c'est moi qui vous la ferai ce soir, évidemment. Et donc, il est dans le Game Pass PC. Alors, les petites notes sur son frigo, c'est évidemment appeler sa maman, acheter du savon, payer ses dettes, ne pas mourir. Ce mec a l'air d'être la joie de vivre incarnée. Ah oui, le truc pour développer les photos, effectivement, oui. C'est très dangereux de mettre ça au-dessus de là où tu bouffes. On peut tout regarder. C'est vraiment un genre de point and click, du coup. Il dit qu'il peut pas se lasser de cette vue, effectivement. Parce que c'est très très beau. On voit les arbres qui bougent en pixels au fond. Il a pas envie de faire la vaisselle. Ah, super, on peut aller dans notre toilette. On aime les toilettes de jeu. Regardez-moi ça, les ombres, elles sont très bien faites, là. Ah, c'est très bizarre, du coup, en fait, c'est un point and click, mais tu peux pas pointer et cliquer. Ok, la grande histoire des singes. Y a que ça dans les toilettes? Mais c'est pas d'accord. Très bien, et ben on s'en va. Alors comme vous voulez pouvoir, hein, c'est avec des animaux, évidemment, un peu anthropomorphique. Est-ce que ça commence et où je ne sais pas quoi faire? Ça c'est le problème. Mais j'aime beaucoup par contre le style avec les plusieurs niveaux de pixels. Ça c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui doit arriver normalement. Ah, j'ai pas inspecté. Mais si, ça j'ai inspecté, j'ai tout vu là. On a tout vu, n'est-ce pas? Tout ce qui était intéressant. Oui, ton diplôme. On l'a vu tout à l'heure, ça. Ok, grosse éclate pour l'instant, attention. On attend quelqu'un. C'est bizarre qu'ils peuvent pas sortir. Pourquoi tu peux pas sortir, jeune homme? Alors, par contre, je sais pas comment revenir sur le. Je sais pas comment quitter la fenêtre de jeu pour aller faire mes réglages. Je suis bien embêté, ça. La prochaine fois, je note si je fais un épisode 2, je mettrai de la musique. Alors, mon objectif, c'est de faire le ménage avant que mes nouveaux clients arrivent. D'accord. J'ai un inventaire. Attendez, il est où mon inventaire? I, inventaire, I, I. J'ai. Ah ouais, c'est ce que j'ai ramassé, d'accord, pour développer les photos. Excellent. Très bien, très bien. Je peux crouch, on sait pas pourquoi. Regardez, hop là. La phase du menu commence. Non, mais non, il n'y aura pas de phase de menu, je vous rassure. Regardez, c'est génial, je peux ramper. Est-ce que je peux ramper jusqu'aux toilettes? Ah, pourquoi c'est tout flou là? Waouh, vous avez vu la mise au point, regardez. Regardez, juste là. Attendez, juste là. J'adore cet effet de suppression d'arrière-plan. J'ai même pas mis de fond vert, alors ça va être encore mieux, ou encore même pas, non? Grâce à la toute puissance de la Nvidia RTX, je peux supprimer mon arrière-plan sans aucun fond vert, c'est magique. Du coup, quand je me suis debout, tout est net, et là, hop, d'un seul coup, ça se. Ah, c'est excellent. Désolé, c'est les petits détails à la noix qui me ravit. Donc, nettoyer, faut tout nettoyer. Ben là, j'ai tout nettoyé, non? Alors, c'est mon bureau qui est pas assez propre. Les toilettes sont propres. T'es sérieux, le jeu, là? Ah! Ça raconte. Alors, les leaders dans cet univers, ce sont les singes, visiblement. Ouais, il y a vraiment, vraiment rien, quoi. Il n'y a rien qui traîne nulle part. Grosse ambiance, en tout cas, ce soir. J'espère que vous allez vous régaler. Si vous voulez de la grosse ambiance. Là, je vends le truc direct, là, pendant que j'ai un peu de monde dès le début du stream. Encore merci à vous d'être tous là. Save the date, comme on dit, lundi soir. C'est acté. Il ne peut rien faire d'autre. D'accord. Lundi soir, c'est acté, ce sera la soirée affiliation et sans followers. Donc on est un peu au-dessus maintenant, c'est cool. Place Chemical.
Ah, bah voilà. Il y avait juste à placer ce qu'on avait récupéré dans la cuisine. Cool. Donc lundi. Ah, ça frappe à la porte. Dans le jeu, évidemment. C'est sûrement Mrs. Green. Oh. Musique. Du coup, soirée affiliation. Là, par contre, ça va être du gros délire. Là, faut que je fasse des stocks de tisane, évidemment. On verra trois jeux ensemble et on fera du just chatting en même temps. Donc, je compte sur vous. Si vous êtes dispo, et bien, écoutez, n'hésitez pas à passer. Ça me ferait grand plaisir. Elle est là, la musique. Elle est là, la musique. On va se régaler. Moi, si vous l'entendez bien, du coup, s'il y a besoin de la booster un peu. Nous allons voir cette chère Odette. Alors, il y aura beaucoup de dialogues ce soir. Je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup vous faire de traduction. C'est pas du tout le même style que d'habitude, mais j'avais grave envie de tester ce genre de jeu. Bonjour, je cherche le détective Lothor. On a parlé au téléphone normalement. Donc là, on va lui répondre quoi? Je suppose que vous avez un cas pour moi. Un cas, une affaire. Une affaire, évidemment. Alors, je suis à votre service. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est moi. Vous étiez un petit peu vague tout à l'heure. Alors, dites-moi tout, mademoiselle. Alors, on va lui mettre ça. Ça, j'aime bien. Je vais peut-être traduire que la réponse que je fais, hein, parce que... Alors, elle va être très discrète à ce sujet-là. Alors, à quoi on a affaire? À quoi on a affaire ou est-ce que tu as quelque chose à cacher, Odette? Tu m'as l'air très étrange avec ta petite robe verte. Ok, à quoi on a affaire ici? Je sais que pour vous, c'est la routine, mais il s'agit de mon mari. Ça sent la tromperie, là. Là, direct, le gars dans la réponse, c'est genre, allez, vas-y, il t'a trompé, c'est ça? Remarque, c'est ce que j'ai dit aussi. Ou alors tu peux mettre, est-ce qu'il a disparu? Je vais juste mettre neutre, vas-y, j'écoute. Il n'était pas lui-même dernièrement. Il vient à des heures tardives, il trouve des excuses étranges. Est-ce qu'elle l'a confronté? Ah, il lui renvoie la faute. Et donc là, on doit trouver des preuves de son infidélité. Et voilà, on y est, la tromperie. Et voilà. Elle en a besoin devant la cour. Ah, devant le tribunal, carrément. Je vais faire ça pour vous, Odette. Moi, tu vois, je pose pas trop de questions. C'est mode, on y va, on va faire ça. Ah, et là, du coup, on va devoir le retrouver. On est vraiment en mode enquête. Ça va être cool, ça. Alors, à quoi il ressemble? Donc, elle nous donne une photo. C'est une loutre, d'accord, comme toi, évidemment. Il a des lunettes. Carré. Wedding. Ok. Et il a un attaché case noir. Ok, donc on va chercher quelqu'un avec des lunettes carrées. Une loutre avec un... Pas mal, ça. On le trouve soit au boulot, soit chez lui. Alors du coup, autant qu'à faire, on va chercher au boulot. Ça va peut-être être plus simple. Du coup, ça va être très très lent. C'est très particulier comme, comme stream, évidemment. Faut s'imprégner de l'histoire. Savoir. On va avancer l'enquête. On va essayer de la résoudre ensemble. Alors, il était quelqu'un de très secret. Il a commencé à rentrer tard, à rater le boulot. Et à... Ah! Il avait des odeurs étranges sur lui. On va lui demander... Ah, quel genre d'odeur? Du parfum, évidemment. Alcool. Cigarette. Quelque chose... Ah d'accord, très... Herbal. Ok, alors attendez. On va quand même lui poser plein de questions, parce que sinon on est un... c'est un peu mince là pour l'instant les indices. Ok, en plus il rate le boulot, donc on va pas aller chercher à son boulot. Ah, elle veut pas nous dire s'il a été violent avec elle, ok. Non, on finira pas le jeu ce soir malheureusement. Le jeu il dure entre 4h30 et 5h. Un peu plus longtemps si tu te perds dans le jeu, dans les toilettes, comme tout à l'heure évidemment. Donc là, elle veut pas nous dire s'il a été violent ou pas. Je comprends, Odette. Ça peut être pertinent que tu nous donnes ce genre de détails. Ah, voilà, c'est une brutasse en fait. Donc elle veut vraiment ouais, gagner, gagner en justice. Ok, elle veut pas parler des enfants. Allez, je prends l'affaire.
Il rencontre des potes de temps en temps après le boulot. Yeah, ok, donc il a une cravate verte. Ça commence, voilà, faut noter en fait, hein, vraiment comme un vrai inspecteur, tous les petits détails. Cravate verte, lunettes carrées. Et il a un chapeau. Il s'appelle Jeremy Green, ok. On l'appelle Jazz. Et l'attaché caisse noire, ouais, la petite valise. La thune, on va dire ok direct. Bon voilà, nous fait pas confiance, mais on n'a pas le choix en gros. Est-ce que du coup. Alors j'ai un nouvel objectif. Ok. On va voir si ça. Ah! Mais qu'est-ce que tu me fais le jeu? Pardon? Ah, d'accord. Ok. Ah oui, c'est quand? D'accord, c'est dès que je sors du jeu. Eh ben écoutez, on va regarder ça. Mais oui, je veux continuer. Tu me fais quoi, toi? Allez. Allons à Granville. Oh, bonsoir, Adrien, comment vas-tu? Merci de nous montrer le menu. Oui, alors. Ah là là, cet artwork là. Spoiler alert, c'est la scène de fin. La scène de fin de mon stream. Ah bah voilà, et là ils envoient du steak là. J'étais tombé sous le charme des artworks du jeu et de l'ambiance. Oh, et là, regardez, ça va être une tuerie, attention! Regardez ça comment je kiffe. L'éclairage là sur la route. Attendez. Non, c'est de l'autre côté. Ah, faut pas que je sorte mon doigt sinon ça casse l'immersion. Là, regardez, j'adore la route en mode réaliste, effet de lumière 3D et tout. Ah ouais, je kiffe ça, j'adore, j'adore. On était parti chercher ce mari trompeur. Les petites gouttes sur la cam. Ah, Granville, ça sent comme le béton mouillé. Le fast-food trop cher et le vomi. C'était mon type d'endroit. C'est très particulier hein, comme style de jeu, hein, je suis d'accord, et on n'a pas l'habitude de voir ça sur ma chaîne. Ça va être très contemplatif, beaucoup de blabla, de plans fixes, de choses comme ça. Mais je voulais, rien que pour ça, là, ça, je kiffe ce genre de truc. T'as envie de prendre, tu sais, la capture vidéo. Tu laisses tourner un petit peu, et après tu te fous ça en fond d'écran animé, avec une petite BO chill lo-fi, là, c'est parfait. J'adore ça. Fairmarlin Sands, oh là 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 là. Et on peut même courir, mais on va pas courir dans la ville est magnifique, regarde. Nous on veut avancer. Mais non, je vais pas courir. Voilà. On marche. On a le cinéma. La profondeur, les différents plans, là, c'est trop beau, j'adore. Mais c'est exactement ça. C'est le jeu Lofi, en fait. Regardez là le petit détail en haut, là, la personne chez lui en train de bouffer tout seul avec la télé allumée. Ok, on peut aller à The Bight pour aller voir Eden Simons, la nouvelle star en vogue du jazz. Ouais, il y a plein de petits détails avec vu que c'est des animaux et tout, c'est assez marrant. Mais là, je surkiffe. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là? On pouvait parler. Évidemment. Des cocktails et des films. Ça semble un bon plan pour le week-end. Un bon programme. On fait un beau boulot en restaurant The Rogue. Si les gens prenaient plus de temps à regarder des films, peut-être que le monde serait moins triste. Ah, j'adore. Eh, mais si c'est pas monsieur, oh oui! Qu'est-ce qu'un lascar comme toi fait dans le coin? Alors, on va lui demander s'il a pas vu notre mec. Ça doit donner de la dog flouze. Du doggy coin! Alors. Ouais, le petit détail de la bedaine qui bouge un petit peu là. Alors on va pas y aller, on va pas y aller à donf. On va d'abord lui demander des nouvelles de lui, tu vois. Comment ça va? Les enfants, tout ça. Elle est une belle histoire pour nous.
Bon, l'usage, c'est bien, il y avoir un nouvel enfant. Même les gouttes sur l'écran et tout, c'est super bien le détail. En gros, sa femme, elle est enceinte. Il nous dit, voilà. Attends, du coup, l'histoire que je vais te raconter. Il lui a dit, écoute, femme, tu peux pas devenir plus grosse, ça te tiendra même pas dans dans le coffre de la bagnole. Super histoire! T'as vu ça? Fais des voix! Non, je ne sais pas faire les voix! Je ne suis pas. Je n'arriverai pas à imiter un raton laveur ou un castor. Ah là 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 là. Et du coup, qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Super! C'était très marrant. Et alors, la fin de son histoire, c'est là, elle s'est retournée, elle m'a dit, hey mec, donne-moi le pain! Best histoire du monde. Ok. Écoute, mon cher Anatoly. Ah, les femmes, quelles mystérieuses créatures. Elles adorent le pain. Et alors, ils ont dit à leur premier fils, écoute, tu vas avoir un frère, mon fils. Ils savaient pas ce que c'était. Mon Dieu, mais il parle trop! Ok, attends. Tais-toi, Anatoly. C'est vrai qu'elle, je ne sais pas quelle voix un castor. En plus, il a deux dents, là. Du coup, il faut peut-être un peu vovoter, je ne sais pas. Mais oui, il doit y avoir une voix bien gutturale et tout ça. Quand j'achèterai un meilleur micro, peut-être qu'on s'entraînera à faire des voix. Mais il arrête pas de parler! Au secours! Il arrête pas de parler, regarde-le! Et là, le petit Victor, cette pauvre, hein, il commençait à se marrer. Oh là là, papa, qu'est-ce qu'on va être heureux! Moi et le baby bro, on va jouer tout le temps. Ah, mais ça, c'est interminable! On a déjà perdu 40 minutes d'enquête! Et dès qu'il lui raconte qu'en gros, de toute façon, s'il a. Oh, c'est horrible! Avec deux bébés, du coup, par contre, il y aura zéro papa parce qu'il va devoir prendre deux boulots pour payer tout ça. Ok! Ouais. That got depressing fast. Ouais, c'est devenu un petit peu angoissant très rapidement. Ah! Très bien! Regardez, réponse 2. Ah bah ça tombe bien là, tu rebondis sur son truc là, parce que le gars il est parti pour parler toute la soirée avec sa clope à la main là. Et tu lui dis, ah en fait il y a un mec qui a disparu, et ça tombe bien, sa femme elle est enceinte aussi. Oh mince! Est-ce que je peux l'aider? Bah tiens, regarde, et tu lui montres la photo. Ouais. Ok, apparemment, donc c'est bon, il l'a vu. Il pue. Ok, génial. Il l'a ramené à The Bite, c'est là où il y avait le concert de jazz. Enfin, un certain nombre de fois. Une ou deux fois, quoi. On lui a demandé pour l'odeur. Il sentait la merde, c'est génial. Ah, il y a toujours cette sorte d'herbe et tout, d'accord. Bon, il était complètement arraché, le mec était complètement beurré à chaque fois. Et donc il nous conseille d'aller à The Bite. Donc on va aller à The Bite un peu tranquillement. Merci mon pote et bonjour à ta femme. Prends soin de toi, mais de rien, de rien. Alors The Bite, c'est où? Ça a l'air cool chez Donovan. Hein. Dommage, on peut pas y aller. Hein. Salut mec. On va parler à l'écureuil quand même avant. Le poopy kind of smell, c'est assez violent. C'est assez violent. Salut vieil homme. Ah là, faut que je travaille mon doublage. Alors lui, on va peut-être pas faire connaissance. Il a autre chose à foutre. Si on lui demande comment ça va, il va nous envoyer péter. On va juste lui donner la photo. Ah, raté, mauvaise. Le game dit de toute façon, même si je l'avais vu, pourquoi je te le dirais? Alors qu'est-ce qu'il a fait de sa journée? Il glande, il traîne. Ok, bon bah on a complètement foiré l'entretien avec lui en tout cas. Il nous a rien lâché, c'est dead. On va aller à The Bite. Pour voir justement si ça mord. Et c'est parti pour des blagues en deux langues. C'est les blagues bilingues arrivent, attention, ça va être violent. Ah, alors. Ça c'est le boulot de... C'est là où bosse du coup le mari disparu et volage.
comment allez-vous en cette plaisante soirée complètement sous la flotte? Le sol est en 3D, je pense, hein. Si vous regardez les pavés là, où je passe la souris, eh bien là, je vais prendre la souris pour vous montrer des trucs, évidemment. C'est en 3D. Excellent. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, allez, là, je... on dit bien ça, non? Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance d'aller de femme en femme. Alors, is Jed around? Ah, ça va être chaud là, faut pas foirer les dialogues. Les dialogues. Bienvenue dans des dialogues de gaming. Alors là, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Je m'appelle Wallace, ce trou de balle me doit de l'argent. Je le cherche partout. Ou alors on se présente carrément en mode franc. Je suis l'inspecteur. Comment on appelle ça? C'est Private Investigator. Ouais, en gros, inspecteur Howard Lotter. Quelle est la dernière fois que vous l'avez vu? Ou alors on lui dit que ça le regarde pas. C'est une loutre. Auteur, c'est une loutre. Oui, détective privé. Pourquoi je dis inspecteur? Moi, private, bah oui, privé, bien sûr. C'est Colombo, le mec, hein. il a la même tenue, hein. C'est parfait. Hein. Ça te regarde pas, mon pote. On va peut-être y aller un peu plus violent, mais il va nous envoyer chier. Ah là là, je ne sais pas. Si on lui dit qu'il nous doit de l'argent, il va peut-être couvrir son pote. On va dire none of your business. Ouh, il veut se bastonner. Bon, ok, c'est parti en cacahuète. En gros, là, le mec, il est en train de nous chauffer. Et nous, on est en train de lui faire... Tu veux te la donner, mon pote? Aïe, 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 aïe. Germ, je connaissais pas ce terme-là. Hey, germ, don't get excited. Je sais pas ce que ça veut dire, concrètement. Peut-être un truc, hein, ça doit être un peu de l'argot. Ouais, mais là, en gros, you're cruising for a bruising. Bruise, c'est les bleus. Donc, en gros, voilà, le mec, c'est vraiment genre, ah, tu cherches vraiment les emmerdes, quoi. Est-ce qu'on va finir complètement mort dès le premier truc? Ok, on va peut-être s'arrêter là parce qu'ils sont plusieurs. On va dire, ok, on ne croit pas. Allez, on se barre. Salut les mecs. Bon, bah, on n'aura rien tiré de ces gars-là non plus. Pour l'instant, je suis un piètre enquêteur. On était à deux doigts de ce fight avec trois molosses de la banque, là. Oh, c'est là, The Bite. Waouh, mais il y a la queue de ouf. Faut qu'on passe l'espèce de géant. C'est l'ours, là, qui fait le... C'est Hank. Qui doit avoir une très grosse voix. Merci pour la trad, mais oui, germe, c'est un peu genre microbe. Gerbe de la cafard. Donc, The Bite. Je n'irai pas, effectivement, dans cette foule. Et... Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut passer par les backstage? Oh là là, mais bien sûr qu'on va rentrer. On va parler quand même au videur, vite fait, voir si on arrive à s'introduire en négociant. Salut, Hank! Les ratons laveurs ne rentrent pas. Au revoir. Oh, je fais très mal la grosse voix. En plus, ce soir, j'ai absolument pas de voix. Ouh là 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 là, Rory est très en forme. Ah, il m'a tué le Big Boy. Écoute, Big Boy, ça va s'arranger. Alors, est-ce qu'on essaie le soudoyer? Ou est-ce qu'on tente le coup du... Ouais, il y a mon pote Carlos, là. Carlos, là, tu sais, là. Bon, il nous a pas cru, hein. Ah, c'est ça, ouais. Allez, barre-toi ou je t'éclate la tête. Bon, bah, merci, mec. Regardez, j'adore les effets de transparence et de plans qu'ils ont réussi à donner là sur les boutiques et tout, c'est ouf. En fait, c'est plein de petits plans superposés. Pourquoi Crutch? Pourquoi il me dit vas-y, baisse-toi. Bonjour, je suis très discret. Est-ce qu'on peut aller discrètement dans l'allée? Là, on est avec les crackheads. Salut les gars. Je pense que Larry va nous aider. En plus, c'est un gars de notre espèce. L'autre, il a bégère direct. Là, il y a un intercom. Ok.
Je regarde juste ce qu'il y a. Ah, j'adore les plans comme ça. J'adore un peu de pixels sur la chaîne, moi ça me fait du bien. Je vous le cache pas. Est-ce que Larry va nous donner les bons. Est-ce que ça sera Larry les bons tuyaux? C'est pas tout à fait la même chose, pas du tout ça même. Exactement 4 à 5 heures de jeu, sauf si c'est Obi-Wan, vous en mangez pour 10 heures. On le connaît en plus, c'est génial. Ward, mais bah alors là. Ah, comment on dit ça? I'll be damned, c'est. Ah, j'ai plus la trad. C'est une autre expression en français. Ça fait longtemps, mec. Waouh, Larry! Mais oui, grave, tu sais, je reconnais direct. Ah là là, le seul et l'unique, ça fait tellement longtemps. Alors, qu'est-ce que tu deviens, mon gars? Ah. Alors, attends, on va pas le chauffer, hein. On lui dit en bas, pas grand-chose de neuf, quoi. La routine, et toi? Ah, il est content, il est content. Que Dieu m'en soit témoin. Ouais, c'était Huggy. Huggy, Larry, ça passe, il y a la fin. Je savais que c'était pas le bon, hein, je voulais vraiment juste le. Attends. Ok, donc lui, en gros, sa vie est partie en sucette. Oh, rien de sérieux, il a un petit peu merdé dans son mariage. Alors attendez. Soit on le décrit, soit on lui file carrément la photo. Il est grand et il a un chapeau violet. Elle m'a jamais dit qu'il avait un chapeau violet. Il est à peu près de ma taille, assez gros, et il porte un chapeau vert. Est-ce qu'elle a dit que son chapeau était vert? Non, c'est sa cravate qui est verte. Tiens, prends la photo. Ok, bon, il l'a jamais vu. Donc là, je lui dis que j'avais un indice, en gros, qui me menait ici. Mais le videur veut pas me laisser rentrer. Et c'est plutôt un truc pour les chats et les chiens ici. Ok. Et tu te dis que ton mec est une loutre, c'est bizarre. Tu sais comment il a pu rentrer? Alors, faut qu'on demande à Johnny. Alors, qui est Johnny? Oh non, c'est l'écureuil du début qui nous a envoyé bouler. Qu'est-ce qu'il vend? En gros, ils vendent des trucs un petit peu chelous, quoi. Ils vendent la drogue qui s'appelle Monkey Butt. Des culs de singe, ça donne envie. Est-ce que tu. Alors, Monkey Butt. Oh! Ah, du coup, ça serait la nouvelle drogue qui sent chelou. Ah. Oh, est-ce qu'il se drogue, du coup, notre ami la loutre? Fait partie de la famille des Bloodworth, famille d'ours, dans le milieu du crime. L'année dernière, celui qui était à la tête de la famille est mort, et c'est là que tout est parti à volo. J'aime bien cette expression anglaise, shit hit the fan. En gros, la merde a touché le ventilo. C'est moins quand tout s'est barré en couille, quoi. Et donc celle qui dirige The Bite, c'est justement la fille illégitime de ce grand ponte de la mafia, en gros, qui est décédée. Mais mon Dieu, mais quel... Mais que de lore dans ce jeu, ça fait du bien, un petit peu de d'histoire comme ça. On est tout de suite plongé dans l'ambiance, on essaie de... On tricote rapidement un peu tout ce qui compose cet univers, c'est cool ça, j'aime bien. Du coup, c'est très particulier, c'est très lent comme jeu, hein, mais c'est comme lire un bouquin, en fait. Alors, il y a des rumeurs là-dessus. Bah, c'est... Que des trucs à la con, quoi. Comme quoi, elle aurait un singe pour amoureux. Elle sera en couple avec un singe. C'est elle qui a fait tuer tout le monde. Ah, ouais, d'accord. Pour qu'elle puisse prendre sa place. Ok. Merci, Larry. Ciao. Du coup, on va pas tout de suite tenter l'intercom parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Ah, bah, ça sera plus soigné que la mienne, ça c'est sûr, Rory. Tu peux. Enfin, j'espère quand même. Sinon, il y a un problème.
Ah bah là, ils peuvent se faire plaisir. Ils peuvent se faire plaisir sur la trad, et du coup, y a pas de voix. Donc, c'est quand même 10 fois plus simple. Mais d'ailleurs, pas mal de dialogues, effectivement. Donc, c'est du boulot. Je comprends que ce soit un petit peu en retard si c'est une petite équipe. Salut, Squirrel. Ah, oui, je pense qu'il y a plusieurs affaires. Hein. Très clairement. C'est toi, Johnny? Bon, allez, on va essayer de pas merder. Pourquoi il me parle de Wallace à chaque fois? Alors, est-ce qu'on fait genre je veux de sa dope et après j'essaie de rentrer dans The Bite ou. On va d'abord essayer de lui acheter un truc. A friend, ok. Oh là là, ça va être craignant si on n'y arrive pas. Hein. Ouh là là. Waldo, c'est pour les rayures, ouais, évidemment. Oui, c'est ça. Where is Waldo? Les gars, en gros, il nous dit qu'on devrait avoir de meilleurs amis. Il n'y a rien du tout sur lui. Il pense qu'on est un poulet, en fait. C'est ça, le problème. Il pense que je vais le poucave. Alors, des meilleurs amis comme toi, tu vas m'aider à rentrer dans le bête, et puis comme ça, on sera amis pour la vie. Alors, bizarrement, celle-là, je la sens pas, cette phrase-là. Mais tu sais où en avoir. Arrange-moi les choses avec le videur et tu feras une énorme affaire. Ah, elle a pas du gain. Ah, là, il commence à se dire, ça va peut-être le faire. Non, alors non, non. Et bah en gros, on menace de le poucave, justement. Soit je t'en dois une, je suis détective, donc ça veut dire qu'on n'est pas... voilà. On va mettre ça. En gros, il dit quoi, toi, un détective, tu te fous de ma gueule. Ah, écoute, je pourrais éventuellement penser à ne pas te balancer aux flics si tu m'aides. C'est bon, là, tu sens le truc? Ou alors c'est genre, non mais regarde-moi, je suis un putain de raton laveur dans un trench coat. Allô? Est-ce que je suis pas le... Voilà, je suis détective. Je pense que celle-là est pas mal. Ah, tout ce que je vois, c'est... En gros, c'est un gros pouilleux qui boit tout seul et qui pleure dans ses magazines de cochons chaque nuit. Mon Dieu. Je vais sûrement vivre avec ta maman. Et ce trench coat, c'est simplement la petite cerise à la noix sur le sommet de ton gâteau de merde. C'est très très beau. C'est très très. Ça va être très compliqué à traduire en live. C'est très chaud. Il y a beaucoup d'expressions très très. Faut peut-être le chercher un peu, hein. Ah, il veut bien m'aider, j'ai trouvé. Ok. Viens me voir à l'entrée et je te ferai rentrer. Viens voir à l'entrée, tu te feras rentrer. Super. Ouais, mais merci. Merci Jean-Michel Traduction. On a réussi. Victory. Alors. Oh, j'ai oublié de... Alors, attendez. J'ai oublié quelque chose d'assez fatal. Hop. Excusez-moi, je dois juste brancher. Voilà, la petite. Je brise le quatrième mur. Je vous sors du jeu. Juste mettre mon téléphone en cendrier parce que le petit Obi Junior était un peu malade depuis ce matin. Du coup, si je dois en urgence aller prêter main forte à ma chère et tendre, eh bien, je devrais interrompre le stream malheureusement. Il faut que je sois un petit peu au taquet si besoin est. On vit toujours avec cette épée de Damoclès des enfants au-dessus de la tête. Mais c'est pas grave, c'est ça la vie de papa gamer aussi. Ah là, la musique, là, elle me fait kiffer. Là.
Alors dites-moi pour ce genre de jeu, qu'est-ce que vous pensez de cette incrustation complètement à la volée au niveau de la cave? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous préférez le square de d'habitude? Dites-moi, n'hésitez pas. Ah, faut que je parle au videur. Pourquoi ça pue ce truc-là là? Attends. Est-ce que ça, on est d'accord que ça, là, le Here's Johnny, c'est une référence à Shining? Je suis pas fou. Je suis pas fou. J'ai plus de voix ce soir. Ok, on y va, let's go! Je kiffe la bande son par contre. J'ai vu qu'elle sortait, je crois, en CD. Bon, là, du coup, on est clairement pas à notre place, hein, évidemment. Du jazz, de l'alcool. Canine Ladies, on le traduit comment? Parce que voilà. Des beautés canines. Ça fait bizarre en français, hein. Tout petit peu trop high-end, c'est ouais, en gros bourgeoise quoi. Ça va être c'est un tout petit peu trop au-dessus de sa catégorie quoi. Oh, excellent. Excellent. On peut leur parler et tout. Oh là là. Et même la chanteuse, ça défonce. Il y a tout là, la fumée, les cocktails. Petit groupe de jazz. Ah, c'est très très cool. Beaucoup de monde à qui parler là. Et là, visiblement, il y a l'endroit un peu VIP. Attends, mais Hank, il est partout. Il vient pas juste de nous faire entrer, le mec. Ou alors c'est son frère jumeau. Hank. Attendez, j'ai raté un truc là. Elle. Elle t'a follow. Alors là, on a plein de monde à qui parler. Non, mais il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas. Je crois que son... Il me semble qu'il y a son homme qui streamait ce soir. Elle est peut-être sur plusieurs streams. Je ne sais pas si elle est encore là, mais en tout cas, on lui fait la bise, évidemment. Ok, on va commencer à parler avec René. Et pourquoi il y a un renard dans un truc pour chat et chien? Et lui nous dit la même chose, c'est-à-dire, eh bien, ça c'est inhabituel. Je vais prendre ça pour un compliment. C'est comme vous le sentez, après c'était juste remarque. René Wilson. Ah, et du coup, est-ce qu'on donne un fake name pendant tout le nom? Est-ce qu'on va s'appeler Wallace? On donne notre vrai nom ou pas? Non, parce qu'il nous a donné nom et prénom. Quoi? Le gars, je lui donne mon vrai nom et il me dit « C'est un faux nom, ça. T'es trop jeune pour t'appeler Howard. » Peut-être que c'est toi qui donnes des faux noms. Du coup, tu le projettes sur moi. Théorie intéressante. Ah, oh, il m'a eu, parce que lui, il a une business card. Il a sa... On lui demandait s'il avait une loutre dans les parages. Mais il vient juste d'arriver. Plaisante rencontre. Merci. Ah, le fameux Eden Simons dont on a vu l'affiche à l'extérieur. Elle nous demande si on est là pour son show. Ah, du coup, c'est la fameuse. Et voilà, moi aussi, je fais l'erreur. Elle est tellement contente de la voir finalement en concert. Du coup, est-ce qu'on se trimballe directement en demandant à tout le monde avec notre photo? Là, on va se faire jeter si on fait ça.
On va lui dire que c'est pas mal. Qu'on aime bien. Et du coup, elle a forcément un avis un peu biaisé, mais que ouais, elle est trop forte. Est-ce qu'elle plaît souvent ici? De temps en temps. Oui, on sait que c'est très classe. On va lui demander si elle est déjà venue. Ah! Et du coup, elle est venue en loose day sans prévenir personne. Non, elle va pas me croire si je lui dis que j'ai fait comme elle. Donc en gros, sa mère veut pas qu'elle vienne. Ok. On essaie de créer des affinités en parlant de la musique. Et là, on va pouvoir lui demander quand même. Oh, elle l'a peut-être vu. Elle l'a peut-être vu. Pourquoi il parle de château, de chapeau vert? Je suis quasiment sûr d'avoir lu un. On va lui demander s'il avait un attaché case. Couleur jade. Jade, c'est quoi? C'est vert? Et après, il est monté. Ok, dans le truc un petit peu VIP. Bon, regardez ça. Du coup, il a bien un chapeau vert, comme sa cravate. Elle a trouvé ça marrant, donc ça l'a interpellé. Excellent. Merci. Eh bien, écoute, enjoy the show. Ah ben, il y en a une qui, elle danse. Voilà, elle est en train de kiffer la musique qui ne passe plus. Est-ce qu'on lui demande de danser direct? C'est un peu cavalier, hein. Ok, on vient de foirer complètement la ligne de dialogue. On est passé pour un gros lourd qui voulait danser avec elle et. Et là voilà, est-ce que c'est elle, couleur jade? Comment foirer des dialogues? J'ai tout eu faux. Meilleure approche. Salut, je te connais pas. On danse et après je te pose des questions. Non, tu veux pas danser? Super, je cherche une loutre. Meilleur enquêteur au monde. Le râteau de l'enfer. Salut. Et ah. Comment tu traduirais ça? Evening, sugar. Alors, est-ce que ça te plaît ici? Est-ce que tu prends du bon temps? Mais comment c'est possible de ne pas en prendre? Là, on peut direct lui dire, pas encore, mon ami est en retard, je m'inquiète pour lui. Est-ce qu'il s'appelle Jérémy? Est-ce qu'on lui dit comment il est fragué ou on dit juste bah c'est une loutre quoi, c'est voilà. Ah non, j'en étais sûr. Mais oui, je lui ai donné trop de détails alors que c'est juste bah c'est une loutre quoi, c'est mon pote, je te dis pas comment il est habillé. Là, j'ai foiré la ligne de dialogue. C'est ce qu'elle me dit, elle dit là ça ressemble plus à quelqu'un qui est recherché. Pourquoi vous le cherchez? Pour boire un godet? Alors tu dis, bah il est recherché. Je suis enquêteur. Oh, et si c'est avec elle qui trompe sa femme, je l'ai dans l'os là. Est-ce que je vais tout foirer? Est-ce que ce sera le game over? Est-ce que c'est comme ça que mon enquête va se finir? Bah vas-y, on va y aller cash, elle m'a percé à jour. Elle dit, ouais, c'est pas dans nos habitudes de balancer nos habitudes en fait. Quand on lui dit soit, ok, je comprends, je comprends. Bon, bah voilà, m'a rien dit. Je l'ai dans l'os. Avec elle, c'est fini. On va écouter de la musique pour la peine. Oh, cinématique. Histoire de bien profiter de tous ces pixels. Je pense que ça se cale.
Enfin, ça te fait juste un petit un long plan sur ce qui est en train de passer, mais là pour l'instant on est entre deux chansons, j'ai l'impression. J'adore, c'est le premier plan en noir comme ça et tout. Ah mais ça s'arrête jamais. Ah, ok. C'est juste que là, vu qu'elle chante plus trop, il y a un tout petit souci peut-être sur la, je trouve sur le rythme de la bande son. Il y a trop de moments de creux. Salut Clarissa, tu vas m'aider toi? T'as l'air un peu. Non mais vous m'imaginez la faire des voix comme ça là? Je lui donnerai la voix de Marge Simpson. T'as l'air un peu perdu. J'arrive même pas. J'ai zéro voix. J'ai zéro voix ce soir, c'est atroce. C'est si évident que ça que j'ai l'air paumé. Ça l'est pour moi. Alors vas-y, qu'est-ce qui m'a trahi? Alors soit on lui dit qu'est-ce qui m'a trahi, on lui dit que effectivement c'est pas le truc habituel, ou alors toi en revanche t'as l'air complètement à ta place. Ah ouais, c'est la patronne, celle qui aurait potentiellement zigouillé tout le monde, mais j'aurais dû le savoir, c'est une ours en plus, mais je suis bête. Bah oui, c'est moi, Clarissa Bloodworth. Je possède The Bite. Si je l'avais su, j'aurais eu des manières bien petites, bien plus. J'aurais été beaucoup plus poli. Ah, t'as pas besoin de ça, mon chou. Alors, à qui ai-je l'honneur? Bon, alors, elle, du coup, on fait quoi? On lui dit que je m'appelle Wallace, on lui dit direct que je suis un inspecteur. Un inspecteur chez elle, elle va pas kiffer. Hein. Je m'appelle Wallace. Photographe, c'est bien. Sans lui dire que je publie, mais je sais pas si elle est. Voilà. Ah, elle a kiffé ma réponse. J'ai dit je faisais un petit peu de tout à droite à gauche. Je pense que ça a rapporté un peu d'argent. Bienvenue en tout cas si vous débarquez ce soir. On est sur Backbone, jeu indé tout en pixel où nous devons mener une enquête. Et la première affaire qu'on a, c'est de trouver un mari qui visiblement tromperait sa femme. Bienvenue dans une enquête ambiance film noir. Installez-vous, ça va bien se passer. Ah, j'adore essayer des nouvelles choses. Est-ce que vous avez des recommandations spéciales pour moi? Apparemment, la spécialité du chef est une tuerie. Mais pour elle, tout est spécial et génial ici, évidemment. Alors, elle nous demande qu'est-ce qu'on fout là en gros? Alors, est-ce qu'on pousse le côté. Mais vous faites des trucs un petit peu bizarres là-dedans. Je suis juste là pour trouver un pote. On lui donne le nom et tout, ça fait tout, ça fait trop. Je suis juste là pour trouver un pote. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Je ne sais pas trop comment faire ce dialogue. Parce que direct, ça lui donne je cherche Jérémy Green. C'est-à-dire que c'est pas ton pote, donc c'est un peu bizarre. Ah, elle a vu que je mentais. Bon là, en gros, elle m'envoie bouler aussi. Ça part très très mal cette enquête. Vous avez ici un détective de génie devant vous. Là, en gros, elle nous le dit, hein. Écoutez, monsieur, voilà si c'est vraiment votre run. Ça ne sert à rien de jouer à ça avec moi, ça ne vous va pas. Aïe, 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 aïe. Elle nous conseille de dégager. Là, je vais finir en ragoût, mais c'est trop ça. Oh, mais là, il y a les sauvegardes, ça veut dire que c'est dead. On s'est fait foutre dehors, je crois. On s'est fait jeter dehors. Mon Dieu. Faut qu'on re-rentre. Oh là là là, on avait réussi à rentrer. Bon, on va essayer l'intercom. Oh la galère, la galère. Quand je vous dis que ça a duré 20 ans, je me suis fait jeter. Comment t'as fait ça? Pareil, ça c'est une grosse blague normalement. Alors attendez.
Il dit, comment tu t'es fait jeter, mais comment t'as réussi à faire ça? Il dit, I think I poked the bear. Je pense que j'ai. Poké, c'est. Voilà, t'as tapé, t'as poté avec un bâton. Poke the bear, c'est une expression, poke the bear, c'est justement, c'est chercher quelqu'un. Sauf que là, c'était vraiment un ours, mais c'est du génie, j'adore. Jeu de mots en anglais en plus dans le jeu, mais c'est un régal. Et donc, on lui dit, non, mais on s'en fout, t'inquiète pas. Bon, du coup, ils utilisent bien la porte arrière pour les livraisons, non? Alors, il va nous donner notre truc. J'ai vendu la peau de l'ours. Pas mal. Pas mal. Va sur leur Twitter, hein, Rory, propose tes services, écoute. Ça peut le faire. Alors, le camion vient juste d'arriver. Il y a un mec qui est rentré par la porte arrière. Ah. Mais tu trouves les bons mots en français, c'est pas mal déjà. Ils entendent. Ah, il y a sur le toit aussi. On va déjà regarder. On va déjà essayer de passer par les cuisines. Il y a un petit intercom, on l'a vu. On lui demande comment on fait pour faire être genre quelqu'un qui s'attend, évidemment, mais c'est à moi de me débrouiller. Et alors, haute sur le toit. Ah, on pourrait monter sur le stand de presse, mon Dieu, mais. Faudrait que je monte sur le stand. Sur un truc, le truc de presse. Après, je vais au Mackenzie. Je fais tout le long des toits. Et là, je peux rentrer. Oh là là. Ah, le Mackenzie. Du coup, faut que je passe voir quelqu'un, un autre mec qui s'appelle Beau. Oh là 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 là. Merci mec, on a déjà essayé par la... Mais tout ça pour alors qu'on s'est fait rejeter. Ah. Hey, mais c'est la livreuse, attendez, on va peut-être réussir à lui soutirer des infos. Donne-moi ce qu'on regarde. Est-ce que ça va? Nous dit de nous envoyer, elle nous envoie bouler. Elle me dit je partirai pas tant que je l'aurai récupéré. Qu'elle parle à sa fille. Ah ok, sa fille elle est à l'intérieur. Voilà, si on n'est pas une de ces grosses brutasses là, mais non, pas du tout, voyons. Alors, est-ce qu'on lui dit direct qu'on est un détective? On va lui dire. Hein. Est-ce qu'on peut s'entraider? Lui demander si elle trouve une façon de rentrer dans l'immeuble. Elle a le code. Alors attends. Le code c'est Great Fire Damn Me, I looked at the wrong schedule. Let me in. Ok. Alors on lui demande pourquoi sa fille est là-dedans, évidemment. Ah! Ah ouais, donc du coup, elle est un petit peu prostituée là-dedans, quoi. D'où l'autre étage. Oh là là, ça sent pas bon cette histoire. On lui demande à quoi elle ressemble. Fourrure grise, elle s'appelle Rosie. On l'a pas croisée d'ailleurs, elle?
Ah ouais, mais là, c'est ambiance noire, quoi. C'est pas ambiance. C'est pas, on n'est pas chez Jolie Rigolo là ce soir. Hein. C'est tout en dépression lente. Non mais. C'est très bien fait. Effectivement, c'est pas tout rose là. Parce que là, du coup, on va essayer quête secondaire d'aller chercher et secourir Rosie qui est dans un bordel au-dessus, visiblement, en trouvant en plus le mari coupable d'adultère. C'est du glauque hein, ce soir, attention. Hein. C'est du serious business. Hein. Ouais, elle va tout démonter. Si y en a un qui touche un cheveu de ma fille, elle fout le dawa. En gros, c'est ça. Littéralement, presque ça. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle est encore à l'intérieur? Elle le sait, parce que c'est son bébé, tout ça, etc. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était il y a 3 semaines. Waouh! Ok. Ok, elle nous parle du toit, effectivement. Du coup, c'est bon. Ah, mais c'est exactement ça. C'est Zootopie en bad. Alors, attendez, attendez, parce que là, le mec a laissé la porte du camion ouverte. Est-ce qu'on rentre dedans, quitte à se faire démonter? Ou est-ce qu'on se casse? On va rentrer, hein. On va rentrer. Y a plein de cartons et ça sent la rouille. Il y a un. Alors attendez. We're looking recording device on the dashboard. Ok, c'est un truc pour s'enregistrer. On va ouvrir évidemment. Alors soit on l'ouvre. Ah, on ouvre le compartiment. Alors attendez. Oh. Ok, il y a une crise épidémique. C'est bien, ça ne nous rappelle pas du tout. Voilà. On va se dépêcher avant que le gars revienne. Revient. Le veut que le gars revienne, avant que le gars revienne. Putain, les cilers, les mitraillettes. Ça se trouve, ça vient d'une plus grosse affaire. Ah, mais grave! Ah, bah, heureusement qu'on a lu les journaux. Mais c'est quoi ce délire? Attendez. Mais du coup, on a rentré les dates des journaux pour pouvoir déloquer le truc d'enregistrement. On a 3 paquets pour toi. Je peux pas en prendre autant. On t'attendait 2 heures. Il y a 2 heures. Oh là là. Et là, en gros, il dit qu'il peut prendre que 3. Alors, je pense que c'est de la drogue ou des trucs comme ça. Ou alors, c'est carrément. Ah, mais non, ça se trouve, c'est des filles. Ça se trouve, c'est des filles. Quand il dit des packages, ça se trouve, c'est des filles. Et il dit 3, c'est tout ce que je peux mettre dans le camion. T'es en retard de 4 heures, etc. Bon, ok. Personne nous a vu. Normalement, on a tout chopé là dans le. Oh! Il faut lui dire qu'on a des packages ou des trucs comme ça. Comment ça, no answer? Ah, ils m'ont pas laissé régler les touches. Le clavier est en QWERTY. C'est pour ça qu'il y avait des trucs chelous là. Ok. Oh, c'est bizarre, pourquoi le. Mince, pourquoi l'interphone. Bah alors, c'est chelou ça. Est-ce qu'il faut retourner là-dedans encore? Ah, pour l'instant, je crois qu'on peut pas y aller. Hein. On va être obligé de faire le. On va être obligé de faire, je crois, le toit pour l'instant. Ça a l'air d'être compromis pour le moment pour l'intercom, parce qu'il y a le camion de livraison.
$15 pour une coupe, ça va pas, non? Plutôt m'acheter une grande paire de ciseaux et du whisky. Comment ça? Ah, je kiffe le petit détail là. On n'a pas été par là. Ah! Le Quick Omark. Omart. Eh ben ouais, on peut pas y aller. C'est chill, hein. Sid, on dirait trop le mec. Ça vient de tomber. Jour, tu sais, le gars qui donne les journaux et tout. Il trompe sa femme. Alors. Ah, c'est quoi, lui, il vend des bonbons? Attends, quoi? Des graines de pumpkin, c'est des potirons, quoi. Des citrouilles. Pumpkin seed, du coup, c'est pas un peu comme les pipas ou ces trucs-là? On s'est fait jeter. C'est mes clés intérieures. Il connaît rien. Ah, je pensais que lui allait me proposer des bonbons un peu chelous avec. Comment ça encore? Pardon? À propos de quoi? Mackenzie. Donc c'est là qu'il faudrait qu'on passe. Oh là là, ça va être chaud. Il y a tellement de trucs en fait. Foxy Burger. J'ai déjà été frappé par un mec qui portait un chapeau. Et après, il a vomi sur tout mon manteau. Ah, des bons souvenirs. Ah, il y a un truc dans la poubelle. Des chaussettes. Des boîtes de bouffe à emporter. Ah. Quoi? Un ticket? Un ticket pour aller à The Bite? Et je trouve ça dans la poubelle? Mais... Ouais, je me fais jeter en boucle en fait. Bah là, il a essayé de m'aider. Hein. Ah, et le fameux bow. Non, mais là, on a trouvé un ticket pour rentrer à The Bite. Il était dans la poubelle si j'avais été là au début. Parce qu'en plus, on est au bout là, évidemment. 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 Salut, The Bow. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Est-ce qu'il se passe quelque chose de bien pour une fois? Je veux juste les gros titres. Une grosse célébration des singes, visiblement. Ah, il y a des parades, des trucs comme ça va être la folie. Et donc là, on lui dit, est-ce que je peux monter sur ton stand? Évidemment, il m'envoie bouler. Yes! Évidemment, on propose un service en échange. C'est toujours comme ça que ça marche. Allez, vas-y, crache ta pastille, Valda, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça, en plus, l'expression. Ah, il a besoin d'une variété spéciale. Il veut que je dégage le mec qui vend les graines, là, qui avait l'air super cool. Mais pourquoi? Ouais, voilà. Scratch back mine yours, en gros, c'est je te. Là, ce qu'il dit, c'est je te gratte le dos, tu. Enfin, tu grattes mon dos, je te gratte le tien. En gros, c'est pour un service rendu, quoi. C'est quand c'est un échange de bons procédés, si on peut dire. Tu m'enlèves une épine du pied et moi, je t'aide. Waouh, donc là, le seul moyen de passer par les toits, c'est de têche le petit gamin, là. Waouh, c'est violent. On va courir jusqu'à The Bite avec notre ticket, voir si on arrive à re-rentrer.
On tente, hein, au culot, hein. On va voir ce que ça donne. Coucou, j'ai un ticket. Bizarrement, c'est pas passé. Est-ce qu'ils se sont barrés dans l'allée? Non, toujours. Intercom, toujours rien. Alors attends. Qu'est-ce qu'il disait dans les petits papiers là? J'aurais dû regarder juste avant. Ah oui, c'est ça, pardon, oui, c'est le mot de passe, Great Fire, je sais pas quoi. Bien joué, merci Rory. Quoi? Non! Non! Attends. Alors attendez, on va retourner lire ce qui s'est dit. Pourquoi il nous donne une mauvaise phrase? Leave me alone, à chaque fois il... Ah, alors attendez. Il doit y avoir une cohérence dans les phrases, regardez les dates, attendez. Listen to the recording again. I can't feel that many, continue being honest. Attendez, let's continue. Oh, attendez. You are 2 hours, continue being an asshole and I will leave, ok. Ça doit avoir rapport avec la phrase qu'il me dit. Ah, c'est pas possible! Ah, là, c'est bon! Whatever, we got one package today. Yes, on a réussi. Ouh! Eh ben, c'était Tandax! Pour l'instant, on n'a pas besoin de dégager le petit jeune. On va essayer de ne pas se refaire jeter. Bon, on lui dit que c'est dégueulasse, c'est que même s'il se faisait jeter, il mangerait pas. Même s'il était invité, il se mangerait pas ici. Ok. Il n'y a que ça. Bon, y aller. On est monté à l'étage, mon dieu. Vous avez vu ça, cette infiltration digne de Snake? Mon dieu. Pff, oh, la musique. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whiplash, quoi. Allez, on y va. Ah, ok. Oh, purée, il y a un mode infiltration. Ok, c'est parti. Alors là, attention, il va se passer des trucs. On doit se coucher. Quand tu es accroupi, les ennemis ne peuvent pas t'entendre. Il ne te voit pas derrière des objets sombres. What? Genre là? Oh, excellent! Je suis très très nul pour tout ce qui est infiltration, mais j'adore. Je vais essayer... Oh la vache, il fait flipper, lui. Vas-y, barre-toi. Waouh, mais c'est chaud et je peux pas... Oh, il met... Oh, ils sont stylés. Attends, là c'est bon, il est parti, on va y aller, on va courir. Je pense que je vais me faire gauler. On n'a pas le droit. Ah! Mince, il n'y a personne. Il était dans cette pièce-là. On va essayer de fouiller. Alors attendez. Oui, c'est bon. La peinture. Ok. Oh! Il y a une cravate verte coincée derrière le cadre. Comment il a pu arriver là? On veut pas le savoir. Oh, trop bien. Oh là 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 là. C'est ici. Il était là. On a trouvé la pièce. Et il y a du monkey butt.
Et ça sent vraiment comme le cul. Bizarre. Ça là-dedans, en même temps, ça doit sentir le cul un peu partout, non? Alors, on y va. On a trouvé un ascenseur secret. Va falloir se compresser un petit peu. Et bah, let's go, mon gars. Oh là 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 là. Là, on est carrément dans la chaufferie, quoi. Oh, il se passe des trucs vraiment chelous. Et il dit que là, c'est un... furnace, c'est quoi? C'est une chaudière ou un truc comme ça qui a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cramer là-dedans? Oh là là, il y a vraiment des magouilles de ouf là-dedans. Moi, je dis que, ouais, il y a des magouilles de dingue. On va ouvrir la porte, on va être discret. Ah, la réserve de bouffe énorme. J'adore la bouffe dans les jeux. Et on peut voir qu'il y en a qui bouffent bien. Ok, il y en a qui on menace de lui couper les doigts parce qu'il pique des trucs dans le... Pourquoi il y en a intercom encore? Oups, 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 oups. Ah, tu peux appeler n'importe qui depuis ici. Tu peux appeler le bar. En gros, le freezer, c'est là où il y a le frais, quoi. Comment ils appellent ça? La chambre froide. Le livreur. Les cuisines. On peut pas faire rentrer la lapine, là? Alors, attendez. Ah, c'est génial. Mais ça doit nous servir, du coup, plus tard. Énorme. Oh là là! Ah, j'adore. Je suis désolé, ça fait... Regardez, regardez l'ombre, comment elle est trop bien faite. Je vais faire en sorte de ne pas me faire voir par le mec avec les gros couteaux. Ça sent super bon, en revanche. Néanmoins. Yes, on allume le mixeur et comme ça, ça passe crème. Ah, et après, on le refera ici. Oh, génial. Oh, j'adore ça. Ah, est-ce que lui... Alors, attendez. Est-ce que lui, on peut le faire venir ou... Oh non, on aurait dû enchaîner. Lui, on fait comment, lui, pour qu'il ne voyait pas? Il va nous voir, lui. Il va nous voir. J'aurais dû enchaîner. Ah, je vais me faire voir. Mec, il y a le mixeur qui est allumé. Va le voir. Bah. Il s'en balèque. Il va nous voir, lui. Hein. You fail. Oh, ça va. Tu recommences là. Ça va. On appelle les cuisines. On en fait monter un. Il y a quelqu'un qui approche. Yes! Regardez. Regardez, comme ça, le deuxième, il s'est barré. Parce qu'il m'a engueulé. Il a dit, quoi, de l'ananas sur une pizza? Mais je vais te démonter. Et là, ça passe crème. Là, il va s'arrêter pour l'éteindre. Du génie. Du génie. Je ne répondrai pas à cette question parce que ça peut me faire perdre des subs et des follow. Et je suis de la team que tout est bon sur une pizza. On peut tout tester, c'est pas grave. Et là, du coup, ça y est, c'est trop tard. Je me suis prononcé. Je suis pas très fan. J'en ai déjà pris il y a fort, fort longtemps. C'est clairement pas mes préférés. Hein. On est dans un vestiaire. On ferait mieux d'avancer. Mais non, on avance pas. On regarde. Grégory, could you maybe keep your papers on your locker? Des petits indices partout, là. Ah, c'est quoi, ça? Oh! Oh, c'est génial! Ça, du coup, ça doit aller là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais normalement, ça m'a l'air logique. Non, ça, non. Ça fait quelle taille? Ça a plutôt ça, hein. A, V, 1, A. Oh, mais faut que je le note, ça! Oh!
mais c'est quoi ce délire? Il y a trop de trucs! Oh, il y a une carte là, attendez. Oh, c'est peut-être. Ça peut être 5 de carreau. Ou genre Q1. Ouais, non, ça me paraîtrait plutôt ça. C'est excellent! Merci beaucoup d'être passé, Sakiminora. Repose-toi bien et puis à très bientôt. Je pense que c'est plutôt ça. Non. Non, non, c'est ça. Hein. Ah, 41. Et il y a les trois petits points là. Ou alors c'est ça. Non. Oh, oh putain. Ah ouais, grave, c'est trop ça là. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai entendu un truc. Carré, rond, carré. Oh là là, c'est du grand délire. Ah, c'est ouf, c'est très sympa ces petites énigmes là. J'adore. On sait pas trop à quoi ça nous sert. On va essayer de retenir. Mais j'aurais dû me prendre un calepin comme un vrai inspecteur en fait. Parce que j'ai même pas de papier moi ici. J'ai un petit stylo. On va faire ça à l'ancienne. Est-ce que j'ai un papier qui traîne ici? Je suis même pas sûr. Mais genre pas du tout quoi. Absolument pas. Quel est cet homme qui n'a pas de paplard sur lui? Genre j'ai zéro papier qui traîne quoi. Dans un bureau. Mais qui est ce jeune homme? Ah! Voilà. Heureusement nous avons des tickets de caisse qui traînent. Merci dans le chat. Alors, je vais le renoter à côté de moi, ça fera vraiment. Ça fait roleplay. A V. 1 A. Ensuite on a 4 et on a des espèces de ronds chelous, ça va pas m'aider. Et ouais, en fait, c'est bizarre. Hein. 5 de carreau. Waouh, mais c'est canon, par contre, ça donne envie. On a une espèce d'énigme, je sais pas à quoi elle sert. On est d'accord que ça, ça se met là. Et c'est le 0 qui est là. Tac, tac, tac. Espèce de 0. Ouais, je vois le. Ok, okay, on va voir ça, les enfants. On va voir ça. Ouais, gris. Ah, exact, exact. Comme ça, je regardais dans le chat. Merci beaucoup, Rory. Merci beaucoup. Parce que là, ça, je vois pas ce que c'est. Tu vois, ça donne rien, ça. C'est vraiment. C'est sur cette carte-là qui était bien planquée en plus. Que de mystères mystérieux. Perdu. Je sais pas dans quel ordre c'est en même temps. Est-ce qu'on a un nombre limité? Je pense pas. Hein. Un truc qui est dans la cuisine. Alors attendez. Ça fait des formes. Alors, c'est un code à 4 chiffres, et là, ça commencerait par un carré. Qu'est-ce qu'il y a un carré? Carré, ce serait 4. Un peu tiré par les cheveux. Hein. Oh, il y a des, en plus, il y a des lettres. Et il y a un seul chiffre, le 1, là. Je pense que c'est 0, 4, 5, 1. Le carreau, il est là, 5, ouais. Et le triangle, moi, le triangle, pour moi, c'est ici. Hein. Dans le triangle, il y a un 0. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ce serait le 0 à la fin. Pour moi, ce serait 0 à la fin. On va faire de l'ordre 5 avant. Et alors après, il y a rond et carré. Et les ronds, c'est là où il y a le 4. Il y a plein de ronds. Un rond, deux ronds, trois ronds. Et là, il y a des... Et là, je sais pas pourquoi ce serait carré... Non, donc ça serait 4. Alors le 1, ça serait 14, 50. Ouais, rond, c'est 4. Et le premier, le carré, ce serait le 1. Et pourquoi Ava carré Ava, Ava. Ah bah ouais, non, honnêtement, on va tenter. On va tenter ça. Perdu, c'est pas ça. Pour toi, le 1, alors...
fois le 1 c'est triangle, alors attends. Bienvenue dans les énigmes de gaming. Pourquoi le 1 serait triangle? Le V et le A. J'ai raté un truc. Donc sinon ça veut dire que ça ferait 1 à la fin. 1, 5, 4, 0. Donc 0, 4, 51. C'est un bout du carré. Mais il est dans un triangle. Et c'est traître, hein. C'est traître. On va tenter. De toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... BG. Bien joué. Très bien joué. Énorme, ces petites énigmes. J'aime beaucoup ça. Voilà, mais par contre, on est arrivé en enfer direct. Il fait si froid ici. Où est la lumière? Oh, excellent. On va se baisser, hein, parce que là, ça fait un petit peu film d'horreur. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est un peu l'angoisse totale, là, en fait. Bien vu, bien vu. Mais, allô, il y a quelqu'un là-dedans ou pas? C'est glauque. Attends, c'est un cadavre? Ok, c'est en train de prendre un tournant un peu imprévu. Je vous traduis le... Oh my fucking what? C'est une loutre nue et morte. On peut répondre du coup, je vous traduis pas le... What the fuck? Fuck me, fuck Jesus. Le gars de... Putain, c'est Jazz! Ou alors, oh bordel, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ou alors, non, 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 non! Mais bien sûr que c'est le mari! Oh, le délire! Oh, excellent, comment ça part en mode histoire un petit peu plan-plan. Ah, notre première enquête, c'est un mari qui trompe sa femme. Qu'est-ce que c'est original? On doit prendre des petites photos de lui en train de faire picotis, picota. Waouh! Il est en train de parler au cadavre. Le corps ne vous est d'aucun secours. Touch the corpse. Tu mets un doigt sur le corps. Il n'est pas encore froid. On va voir s'il est vraiment mort. Ou on peut se barrer. Il est juste là, nu et mort. Une loutre. Tout petit peu, avec un peu d'embonpoint, quoi. Peut-être qu'il a une... Ah, et peut-être une overdose. Le body est étendu là, inerte. Il est là, mort. Probablement tué. Très récemment. Mais bordel, qu'est-ce que je fous à rester là? Je vous fais la traduction, évidemment, avec toute l'intensité que je peux donner. Ce sera sûrement moi le prochain. Ou alors tu peux renifler le cadavre. En mode ASMR. Je renifle des cadavres. Et pourquoi? C'est génial cette proposition. Attendez. Ah non! Mais si, on aurait dû le renifler pour savoir s'il sentait cette odeur qui pue, là. Quoi? Il y a quelqu'un qui arrive, je dois me cacher. Dans le conteneur. Oh! Oh là 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 là! Eh, ça vire en truc gore. J'avais pas vu le cadavre ouvert. Oh. Ah, c'est le fameux Greg. Oh, il y a les clés. Sors de là, mec. Sors de là. Prends les clés et barre-toi. On peut peut-être courir, là. Est-ce qu'on doit courir? On peut courir dans le jeu. On va courir, là, comme un ouf. Ah bah non, attends. Ah yes, trop bien. Waouh, cinématique, oh, la première enquête de dingue.
Oui, la bégère. Bah oui, là, il est complètement troublé, quoi. Il venait pour un truc complètement basique. Il se retrouve sur une histoire complètement dingue de meurtre. Bien sanguignolant. Oh. Attendez. Ah, je réfléchis. Est-ce que je m'arrête là? Parce que là, c'est par acte. Attendez. Attendez, je regarde un truc. Je m'échappe du jeu 2 secondes. Je vais juste regarder combien il y a d'actes. Voir si on peut se faire une petite série vite fait. Je regarde rapidement. Ah mon dieu, pourquoi ça m'a mis Bing? Quelle horreur. Ah, pour l'instant, en tout cas, moi, je suis vraiment en kiff sur le jeu. Le jeu se fait assez vite. Hein. Ah! Il n'y a que 2 actes. Ah! Ah ouais, effectivement, c'est rapide en fait. Ah ouais! Eh ben écoutez. Ah ouais, mais je crois qu'on va s'arrêter là ce soir. Du coup, si le jeu se finit en 5 heures, c'est-à-dire que le deuxième acte serait plus long, entre guillemets. Tout en sachant que maintenant je vois à peu près comment le jeu fonctionne. Et que du coup j'avais envie de... Ah ouais, en fait je pense qu'on va... Honnêtement je pense qu'on va s'arrêter là. Même si là je kiffe, hein, y a pas de souci, mais... J'ai pas envie de m'arrêter au milieu d'un acte, c'est un peu chiant. Oh, ils mettent 4h, 4h30. C'est-à-dire qu'il nous resterait... Parce qu'en plus il faut attendre la sauvegarde, là je sauvegarde pas quand je veux, hein, je crois pas. Hein. Attendez, je vais regarder, je retourne dans le jeu. Mais ils l'ont massacré! Pourquoi ils étaient en train de le découper pour se débarrasser du corps? Quelque chose d'encore pire. Non, 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 ce serait complètement dingue. Les gens ne mangent pas les autres. Les gens ne se mangent pas entre eux. Et du coup, ils se demandent, est-ce que le bite sert de la viande? La viande de gens? Alors, du coup, c'est des animaux, c'est un peu bizarre de dire ça. Hein. Ils étaient en train de démembrer... Il y avait plusieurs cadavres, hein, là où on était. Hein. Ils étaient en train de démembrer des corps et de les mettre dans des boîtes. J'ai entendu des histoires sur des rituels cannibales dans le passé. Bordel! Chaque fois que je ferme mes yeux, je le vois là, mort devant moi. Essaie de pas se rappeler l'odeur. Concentre-toi sur l'alcool. Ah ouais, il est complètement perché, perturbé. Il fait... Putain, c'est complètement barré. Est-ce qu'il va le dire à la police? Pourquoi lui? Ah, pourquoi Jizz? Jizz. Bah, il a semblé d'un pauvre loser qui pouvait pas faire de mal à personne, on va dire. Et si c'était pas le premier, combien ils en ont tué? Peut-être que j'ai vraiment pas envie de savoir. Qu'est-ce que je vais raconter à Odette? Évidemment, mais oui, il est perturbé. La vérité peut-être être trop brutale. Dis-lui qu'il s'est barré quelqu'un. Ou alors, carrément, je lui dis rien, je le cherche encore. Non, non, non. Je veux dire qu'il s'est barré. Effectivement, la vérité peut être un peu brutale. Votre mari a été tué et découpé en petites pièces dans le sous-sol d'un vieux bar des bas-fonds de la ville. J'étais là. Ok, en gros, pour l'instant, on la met en attente, quoi.
Alors qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'empêche les autres de se faire tuer en gros. Ou est-ce que je vais enfin faire quelque chose d'important? J'ai pas envie de passer ma vie à attraper des voleurs de montres ou des maris adultères. En gros, c'est là, ouais, c'est ce que je disais au début, quoi. Il était parti sur une enquête plan-plan et il dit que c'est peut-être le moment de se révéler sur un truc d'une plus grosse envergure. Mais je veux pas crever non plus. Il aimerait bien que quelqu'un lui dise quoi faire. Allez, je peux le faire. Ah non, on va mettre quelqu'un dans la confidence. Mais personne ne va le croire en fait. C'est peut-être l'affaire la plus importante que j'aurais jamais à faire. C'est vrai. Si j'en parle à la police, qu'est-ce qu'ils vont me dire de toute façon? Eh, salut, je suis rentré par effraction dans un bar et je voudrais. Butchering, c'est vraiment le truc vraiment brutal, quoi. Ils vont m'arrêter et puis ça serait bon. Peut-être que si je bois assez, je vais l'oublier. Je veux juste que cette journée se finisse. Dis-moi que ça sauvegarde et après, je pense qu'on s'arrêtera là quand même pour finir une autre fois. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que ça vous va si on fait une petite session dessus. Moi, j'ai surkiffé. Oh là 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 là. Je regarderai si ça a bien save d'ailleurs après. Ah tu vois, tu peux pas sauvegarder quand tu veux. Ça va reprendre à ce dialogue-là. Donc c'est pour ça, comme je sais pas jusqu'où ça va m'entraîner. Là, je trouve qu'on a fait comme un espèce de prologue de découverte du jeu pendant 1 heure et demie. C'est un peu plus court que mes streams de maintenant, effectivement. Mais perso, ça me va plutôt bien. J'espère qu'à vous aussi. Bah canon. Canon ce petit jeu. J'ai même pas envie de. Allez, si, je vais remettre quand même le chat. Hop. Ah, par contre, alors attendez. Sur le chat, ça me fait bizarre de me voir en incrustation. En incrustation. Eh, hey, salut mon fond flouté préféré. Voilà, c'était Backbone épisode 1, la découverte. La découverte. Le gars qui finit pas ses phrases parce qu'il sait pas ce qu'il va dire, c'est parfait. J'espère que ça vous a plu. J'adore perso l'ambiance du jeu, j'adore les graphismes. J'aime bien le fait d'avoir été surpris par le jeu. Parce qu'on part sur un truc tout plan-plan et ça se termine en truc ultra gore et tout avec plein d'embranchements. Il y a visiblement plusieurs façons de faire d'avancer dans le jeu. Vous pouvez passer par l'entrée principale, par le toit, par derrière. Voilà, et même. Pour chacun de ces passages, il y a plusieurs moyens de passer. Donc ça, c'est très très cool. Du coup, il n'y a pas forcément de rejouabilité, mais tu peux toujours avancer, quoi. Tu peux toujours progresser. Et l'ambiance est folle, quoi. Ça pète. Moi, perso, j'ai ultra kiffé. Et du coup, j'espère que vous aussi. Et du coup, ce qu'on va faire... Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'après, moi, je vais quitter le jeu. C'est pas mal. Donc... Et bah oui, ça c'est très bien. Et bah voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous les gens qui sont passés ce soir. Ça m'a fait grand plaisir encore une fois pour changer. Vous étiez présents et ça fait du bien. Et du coup, ce qu'on fait, déjà je vous dis bye bye pour ça. Merci d'avoir suivi Backbone. Et du coup, je vous annonce pour la semaine prochaine. J'ai pas tout le plan de la semaine. C'est encore un petit peu flou. Mais lundi, par contre. Lundi, 21h, alors je croise les doigts pour que l'horaire soit respecté, hein, parce qu'en ce moment, mes petits, c'est pas la grande forme. 21h, grosse soirée pour fêter l'affiliation et les 100 followers sur Twitch. Du coup, on a un peu dépassé depuis le temps. Et donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois cette semaine, on fera du jet chatting. En fait, en même temps que je joue à des jeux, j'ai sélectionné 3 jeux pour vous, que vous ne devinerez jamais, c'est sûr et certain. J'espère qu'on va se marrer. J'espère qu'il y aura des petits remontants à gogo. J'espère que je pourrai vous proposer des alertes, mais ça fait un peu trop longtemps que je le dis, mais allez, croisons les doigts, tout est possible. Et j'espère vous voir, évidemment, si vous pouvez ne serait-ce que passer rapidement. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bonsoir, mon cher Nico. Mais oui, j'ai vu que tu étais en live, en interview, si je ne dis pas de bêtises. Eh, je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Rien que pour toi, c'est cadeau, je te remets un tout petit bout du jeu. Bah oui, c'est pas grave. Allez, regarde. Regarde-moi ça. Je te laisse juste kiffer un peu le jeu, mon cher Nico. Et après, je me remets en chat. Du coup, comme je le disais, merci de m'avoir suivi pour Backbone, c'était très très cool. Mais la VOD arrive très bientôt, comme d'habitude, évidemment. Je vais me hâter de monter ça. Il n'y a pas grand-chose à cut, voire rien du tout.
En plus, j'ai la flemme, donc ça m'arrange bien. Du coup, il est très très sympa. Très joli et très inattendu surtout. Du coup, hop, on est back sur le chat. Pourquoi je dis ça? Donc lundi, si jamais vous êtes dispo, n'hésitez pas à passer à partir de 21h. Si tout se passe bien, je vous préviendrai de toute façon sur Twitter s'il y a un empêchement ou un retardement de dernière minute. Mais normalement, lundi, gros stuff. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Ça fait vraiment une expression de boomer, quoi. On fait une grosse stuff et tout. Pour l'affiliation et les 100 followers, trois jeux totalement surprenants. Je ne dirai rien de plus. Ça va envoyer du pâté. Personne ne dit ça non plus. Et du coup, il y aura des petits remontants à gogo. Moi, en tout cas, j'espère que je vais passer une bonne soirée et j'espère que vous serez nombreux à venir chatter, discuter, etc. On pourra parler de la chaîne, on pourra parler de ma collection si vous voulez, on pourra parler de ce que vous voulez. Je pense qu'on s'en cognera complètement de ce que je suis en train de faire au niveau du jeu. Donc là, ce sera vraiment pour échanger. Ce ne sera pas un FF, mais il y aura trois jeux. La semaine prochaine, vu que j'ai dû tester de manière complètement inattendue ce soir le stream PC, eh bien, je vous annonce qu'il y aura du Little Miss Fortune. Enfin, ça y est, alléluia. Mais pas lundi non plus. Désolé. Lundi, c'est le stream Just Chatting Affiliation avec trois jeux bonus. Et Little Miss Fortune, du coup, quelque part dans la semaine, soit mercredi, soit vendredi, on verra. Pareil, si vous n'êtes pas si vous êtes passé, on fera le replay. Maintenant, j'essaie de les mettre beaucoup plus fréquemment. Je vais alimenter ma chaîne YouTube. Et puis après, je ne sais pas encore ce que je ferai. Ah si, j'ai un petit truc quand même. Eh ben, on va faire quasiment beaucoup de PC en tout cas la semaine prochaine. Pas lundi, mais beaucoup de PC du coup. Ouais. On va faire un truc un peu plus action. Et puis je suis bête, mais du coup, faut que je case Backbone. Je viens de tilter. Parce que là, ce soir, j'ai surkiffé. Je me suis pris la tête à faire les petites scènes spéciales Backbone. Et du coup, je voulais faire un truc en plus un peu spécial pour le deuxième. Donc en gros, pour faire très simple, ceux qui viennent d'arriver, on a fini l'acte 1 de Backbone. Il dure que 4h30, 5h. On a fini l'acte 1, il reste un acte 2 bien velu apparemment, hein, visiblement. Vu qu'il y a plein d'animaux, hein, finalement, ça sera velu, touffu, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai envie de le faire, mais grave, je le referai. Je le finirai avec vous, avec grand plaisir. Je ne sais pas encore quand je vais le caser. Et du coup, je vais peut-être décaler l'autre jeu découverte que je voulais faire. Mais bref, je parle beaucoup trop ce soir, je suis désolé. Grand merci à vous d'être passés, ceux qui sont passés à la fin, au début, au milieu, pendant, tout le temps, après, ce que vous voulez, même voilà. Bon, avant, du coup, je vais être passé dans le stream, bah, c'était cool, mais je ne vous ai pas vu. Hein. Voilà. En tout cas, c'était très cool. J'ai adoré, j'espère que vous aussi. Je vous laisse avec la petite outro jazzy, aussi tout ce que vous voulez. Voilà, avec ma petite tasse polynectar, je vous souhaite. On voit rien du tout, c'est horrible. Mon Dieu. Jean-Michel, éclairage approximatif. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe, comme d'habitude. Ciao, ciao. Bonne nuit à tous.